Précédemment, dans The Big Game of Ski. Salut les gars. Oui, distribution de plus c'est au programme d'aujourd'hui. Qui est une explosion. Ça sent le Surviving Club qui va pas tarder à clapser, ça. On va les laisser faire leur petite stratégie. Je vais leur faire croire que je vais découvrir. Et puis je passerai certainement derrière, derrière leur cadavre pour les achever. Vous m'achetez ça? Comment ça? Je suis supposé être le héros. Ouais, mais les gars. Je veux bien être le héros, mais avec les amis, les proches, après les gens que je connais pas, je veux dire. Regardez-moi les comme ils sont organisés, ils courent comme des dératés, ils vont se faire bouffer, tendez l'oreille, hein? Oh le gros morceau! Oh, ça sent l'amour ici. Non, la viande. Ah, je les confonds à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Calmons-nous! Ne pas paniquer, surtout ne pas paniquer. C'est la première fois de ma vie que je me fais attaquer par des cajots. Oh, saleté de cajots. Mais purée, plus jamais de ma vie je fous les pieds dans un marché, quoi. Où je vous ai présenté ce jeu assez incroyable qui est Annie Last Hope. Du shooter avec des ombres de partout, des gros pixels bien carrés, ça pète dans tous les sens, c'est assez incroyable. Et forcément, il s'est passé des choses. Alors aujourd'hui, on va retourner dans Annie Last Hope, puisque vous êtes aussi curieux que moi, j'imagine, et vous voulez savoir ce qu'il y a après. Et après, ben, on va changer de personnage. Oui, car j'ai joué Jack hier. Eh bien, dans cet épisode-là, je vais changer, je vais passer à Annie. Et vous allez voir que ça va être autre chose, tout en restant la même chose, en fait. Mais oui, le fantôme de Rick n'est pas très très loin. J'ai bien l'impression. Je vous laisse découvrir ça après un petit carnage, comme il se doit. Oh, il est chaudard ce niveau. Je vais garder la mitrailleuse, hein, je pense. Let's do it, creep. Ça va être ma fête. J'arrive à passer, mais regardez-moi ce comité d'accueil que je vais avoir. Oh le bordel. Ah!
Putain, la bagnole! Non, pas la bagnole! Oh, putain! Comment je suis déçu! J'étais arrivé. De la munition. Oh, c'est tendu ce passage. Ah, j'emmène pas large, j'emmène vraiment pas large. Vite, réparation. Cette séquence est chouchou. Il fait tout noir. Ah, j'ai plus de balles. Heureusement que j'ai le soufflant de l'inspecteur Harry. Trop de tension, les amis. Je voudrais bien des munitions, mec. Mec, des munitions, stop, stop. Je veux pas un éclairage sur moi, je veux juste des munitions. Oui. Plein. Non, pas de l'argent, j'en ai pas besoin. Ah, ça craint! Je me barre! Oh, trop de pression! Trop de pression! Oh, ce carnage! Alors là, je vois ma barre de vie en haut et j'ai mal. J'ai très mal. Ce jeu. Oh, je suis fou dingue amoureux de ce jeu. Il y a tous les classiques des films d'horreur. La mise en scène, bah, elle est toujours aussi classique. Et puis, c'est du gros carré, c'est du gros pixel. Mais c'est tellement bien foutu. On est à fond dedans, quoi. Ouais, c'est super rigolo. Téléphone, il n'y a personne qui décroche. Je me barre en bagnole. Non? Allez. Oui, je le sens pas, il va m'arriver des bricoles. Alors niveau munitions, je suis pas dans une situation très confortable, on va dire. On y voit que dalle. Ah, trop de tension. Tiens. Tiens. Faut que je retrouve ma... Merde, ma touche pour recharger. Ok, c'est celle-là. Parce qu'à chaque fois je l'oublie, et mieux vaut avoir préparé ces munitions pour la prochaine vague de bestioles qui arrive, parce que... J'arrive, Annie, hein. T'es où? C'est quoi ça? Oh, mais c'est mon pote le dealer! Franck les bons tuyaux! On va faire un petit truc à 3, ça va être sympa. Non, vous affolez pas quand même. Restons raisonnables. Oh oui que je vais faire des achats.
Là, je vais déjà vendre tous les bonus que j'ai ramassés. C'est pas tant que ça. Et je vais vite acheter des grenades. Parce que là, de grenades, ça nettoie très bien. Des bandages, est-ce que j'en ai en stock? Je sais pas si j'en prendrai. What? Je me fais agresser pendant que je suis dans le shop. Non, mais j'y crois pas. Les gars. Plus jamais ça. Grenade. 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 Vite. Encore. Quoi? Je peux plus? D'accord, je peux plus. Gear up. Equipod. Oui, je suis bien, je suis bien, ok. Bon, Franck, tu me prêtes ta bécane, s'il te plaît? Comme ça, je me barre vite fait. T'en as pas besoin, t'as vu comme tes baraques, toi, les zombies qui vont faire qu'une bouchée. Franck, on est potes, allez. Je peux te faire un... Non, je vais pas te faire ça quand même, mais... Trop de pression, les amis. Je vais là-bas? Ouais. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Il y a plein de bonus. C'est une super bonne idée, en fait. Un Playboy. Du whisky. Oh, ça va bien se passer. What? Tu aimes les pruneaux? Mange. Annie, Julie. On avait rendez-vous pour faire un petit truc, un plan à 3 là. C'est. J'espère que vous n'avez rien arrivé. Quoi? C'était un beau morceau ça. On va dire que j'ai rien vu. Oui, cette espèce d'énorme tic qui vient de passer. Ouh, je vais bien ça, moi. Apparemment, pendant la crise, il y a toujours des escrocs pour bien faire des affaires en douce sur le dos de tout le monde. C'est pas très sympa. Je sais pas ce que c'est, mais je veux pas trop savoir, en fait. Eh, regardez cette affiche derrière, ça vous rappelle rien? Oui, attends. C'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. C'est bien trop gros pour moi. Moi, je m'occupe que des petites bêtes. Il a l'air nerveux. On va faire la voiture. Oh ouais. Moi, je veux faire de la voiture. Si c'est une partie de shooter, il n'y a pas de problème, je gère. Faut juste pas que je me fasse rouler dessus, ce serait bien. Oui, je vais y aller avec le petit flingue parce que c'est pas très compliqué à gérer pour l'instant. Voilà, je prends face. Ah mais j'ai pas de munitions pour ça, nom de Dieu. Alors la partie shooter elle est super bien trouvée là, c'est rigolo. Alors laissez un petit cadeau. Ça attend que je me répare moi. Good bonhomme, monsieur K a déjà joué à des shmup, alors franchement tu vas pas me la faire comme ça. Tu te crois où? J'ai tout mon temps. Ah dommage. Ce jeu, je suis fou dingue de ce jeu, je l'aime. Je veux des posters sur le cover chez moi. J'arrive pas à lui faire beaucoup de mal. Hein. Je vais essayer de changer d'arme. Je crois qu'il le sent plus, ça. Ah.
Il est bien loin de dégommer ce truc. Préparation. Je change ça. J'en ai plus de ça. Attends, il me faudrait des. Voilà ça. Comme je suis crispé sur la manette. Heureusement que vous avez pas les images. C'est délire. Putain, le Père Noël, il est furax cette année, je sais pas ce qui s'est passé. T'es plus vivant pour longtemps, toi. Alors, c'est dommage parce que les parties où j'ai perdu précédemment. Quoi, je le flingue même pas. L'autre, ils essaient de me rouler dessus, je l'ai même pas. Moi, des gens comme ça, je leur dévisse la tête et je leur. Vous savez très bien ce que je fais après, c'est Duke Nukem qui m'a appris. On y go. Alors, envoyez les calmos parce que sur les munitions, je dois pas être. Est-ce que je peux chercher des munitions justement d'ailleurs? Non, tu ne peux plus revenir en arrière, c'est fichu. Va vite, il va falloir que j'en trouve.
Prends ce jeu, mes amis, ce jeu. Je le love d'amour. Annie, non! Petite foulée. Ah, c'est les vêtements en cuir, hein, c'est un peu étroit. What did happen? What? Faut pas que je rigole, ça va être le plus dur. Bah oui, il faut sauver Jack, hein. Les filles, faites quelque chose. Et du coup, je vais peut-être changer de perso. Oui, maintenant c'est Annie qui va venir à mon secours. Et je vais jouer Annie. L'argent dans les catastrophes, ça sert à quelque chose. Heureusement qu'ils n'ont pas chopé un virus fulgurant. Pardon. Donc je pense qu'on va basculer dans le mode The Walking Dead du jeu, et ça va être pas mal. Julie. Non, elle y croit encore, Annie. Alors, c'est vraiment très drôle que le scénario soit très très bateau pour rester vraiment dans les standards des films de Hollywood. Ça rend le truc plus excitant parce qu'on sait un petit peu ce qui va arriver du coup. Mais par contre, on n'a aucune idée de ce qu'on va se prendre dans la figure. Pas de soucis, don't worry, be happy dans un monde post-apo. Des gros scénars, des gros dialogues avec les persos non-joueurs. Sabrina, si je pouvais la recruter, ce serait bien. Comment ça, j'ai un début d'idée? Non, 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 rien du tout. J'ai pas lu. C'est pas grave.
Je veux bien, mais il me faudrait des armes, des munitions, des bandages. Non, il va falloir que je tue une petite fille, non, ce serait trop moche. Surtout si c'est celle du début. Ok, mais je vais essayer de faire des courses avant quand même parce que je me sens vraiment, vraiment à poil. Non, pas la peine, vraiment. Salut, t'as l'air stressé toi. Ok, no problemo. Pauvre Annie, tous les ennuis du monde lui tombent dessus. Alors qu'elle était là, elle pensait qu'elle allait faire du macramé. Est, ouest, je vous ai déjà dit, j'avais un problème avec les directions. Non, c'est bon. Ok. Oui, c'est mon côté girly, ça, on va dire. Alors, je passe d'une grosse phase d'action à une grosse phase The Walking Dead. Tu es le mouton noir du camp, ils sont capables de te manger si tu réponds pas aux ordres. Alors, on va aller chercher une petite fille qui est probablement infectée et j'ai un arc. Ok. Non, c'est bon. Gaspille pas tes flèches, pépette. Bah oui, mais c'est la vie, hein. Enfin, c'est la vie. C'est la mort aussi, souvent. Oh, c'est gentil de prévenir. Non, ça c'était moi. Alors c'est rigolo, les bandages, on aurait tendance à croire que c'est. Vous savez ce qui est parti dans les supermarchés dès qu'il y a eu la crise du conardovirus? Oui, ça me fait irrémédiablement penser à ces rouleaux-là. Oh les amis, je vous avais prévenu, vous êtes pas marrons. Attention, le trou. Ils sont vraiment très cons ces zombies. Je vais les laisser tomber dans le trou, hein. Ils ont l'air de se débrouiller très bien comme ça m'économise des flèches. Voilà. Ça, c'est fait. Suivant. Voilà. Quoi? Un bise. Non, on peut pas en ce moment, tu as bien compris. Regarde. Flop. Toi, tu te relèves pas? Si? T'es un peu mort, donc. Bah voilà, comme d'habitude, le drame. Squeak, hop. Petit, 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 vini, 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 vini. Oh, attention le. Trop tard. Désolé, vraiment, pas fait exprès. Mais ça m'arrange bien. Alors, c'est rigolo toujours, ces gros carrés avec des gerbes de sang. Eux, ils vont se lever, eux, ils vont se lever. Je me mets dans ce taxon-là, ça serait pas mal. La patate, toi t'as l'air pas cool. T'es un peu trop vif pour moi. Non, t'es pas cool, je t'ai dit. Même ta copine, elle est pas cool, je te le dis. Les flèches, c'est infini, j'espère. Les gars, faites trop tard. La connerie éternelle du zombie me sauvera. Oh oui, je compte dessus. C'est quoi? Vos potes, devinez où ils sont passés. Je vous laisse, allez, 5 secondes. 5, 4. 3, 2,5, 2, 1, merci, au revoir, allez, ciao. Je peux courir au moins? Oui. Bah, ça me rassurera parce que je sens que ça va arriver par derrière cette fois. Ouh, je peux faire des brochettes doubles, ça c'est pas mal. Plop. Plop, plop. Ouh, ils ont l'air plus costauds que la moyenne par contre, c'est gênant. C'est non, oui. Non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Oui. Alors, il va y avoir une gestion des ennemis qui va être un peu plus délicate que ce que je faisais tout à l'heure avec Jack quand il arrivait joyeusement et qui défouraillait sur tout ce qui passait. Je vais essayer d'aller voir si on peut passer là. Bah, tant qu'à faire, eux peuvent passer, pourquoi pas moi. Ok, injustice. Annie, attention au trou. Bah, ce serait ballot. Previously in the Devil Dead. Plop. Attention, on va te faire, vous êtes trop bête. J'essaie de vous aider, les amis zombies, là, et vous faites que de la. Que des trucs pas bien. Alors, Rick m'a demandé de sortir du village pour aller chercher des ressources. J'aurais bien aimé lui désobéir.
Mais ils sont nombreux et s'ils se mettent tous contre moi, je vais être très très malheureux. Ouf. Oh. Il n'y a rien qui se destroy un peu dans le décor. Je vais voir s'il n'y a pas un petit bonus là des fois. Ce serait cool. Je vais en profiter pour... Qu'est-ce que vous imaginez? Récupérer du matériel enfin. Vous avez l'esprit tordu les viewers. On va continuer tout là-haut. Hein. Ah, il y a des trucs qu'on peut ramasser dans les véhicules. Oh, ahoy, hey, oh, hu, hi, coup de pied, pof, pof, que dalle, comme la nageoire du dauphin, la nageoire que dalle, comment ça je le fais tout le temps celle-là, on s'en fout, hop, du matos, je vais inspecter, hein. Comme ça je vais rentrer avec plein de matos et j'aurai peut-être un trophée et tout le monde va m'adorer dans le village et après les gens vont être gentils avec moi, pourquoi j'ai une main et je peux absolument rien faire? Nous verrons cela dans un autre épisode de Power the Walking Dead, featuring Annie. Non, laisse-moi toi, Annie, tu connais pas l'endroit, tu vas me... Qu'est-ce que c'est que ce truc rouge? Hein? Un truc qui pète? On sait pas. Can. C'est un voyage sans retour, je vous le dis en vérité. On s'en doute un petit peu aussi, il faut dire. J'aimerais bien avoir un couteau, un sabre, n'importe quoi, un truc à portée de main. Alors ça, je pense que ça va être sur ma gâchette gauche. Si je me fais flooder, faut que j'y pense. Bonjour. Recommandé à livrer. Attends. Attends. Il pourrait signer là. Quoi? Aussi je peux il me manque quand même une arme de coup porté hein, parce que l'arc c'est ouh, ça sent le bonheur ces pneus à quoi ils vont servir j'en ai aucune idée mais il faut que je surveille petite 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 tu es dans le coin. Un pneu tueur. Les pneus tueurs, on n'a jamais vu de fête. Je m'en remettrai jamais. Oh le bordel. Bandage! Ah, j'ai pas le temps de me faire les bandages! Je vais crever! Idiota! Ah! 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 Oh, ça sent la mort! Ça sent la mort! Je me suis fait attaquer par des pneus tueurs. Il va falloir tout le week-end pour m'en remettre. Ce jeu. Ce jeu. Oh putain. Je me remets des émotions parce que c'est pas tous les jours Oh là là. Oh, regardez le joli appareil. Ah ben c'est ça dont on discutait tout à l'heure. Pourquoi je l'ai pas eu avant les pneus tueurs, ça, d'ailleurs? Hein? Alors j'aurais pu me servir de mon cocktail Molotov. Soit. J'ai ma fierté. Vous savez quoi? Je vais me taper un rhum parce que là c'est trop monstrueux. J'avance pas en courant hein, parce que si je reste au milieu, ça va arriver des trois côtés, ça va être moche. On va faire le premier. Qui va m'envoyer de l'autre côté, j'imagine. Allez, allez, allez. Ouh, ça va me péter la gueule.
Kick. Oh, il a. Oui, bah, j'ai oublié. Kick Oil. Alors, du coup, une des subtilités du jeu pendant l'affolement qui est assez dur à gérer, c'est qu'il faut changer et prendre la bonne arme contre le bon ennemi en général pour gagner en efficacité. Sinon, il y a moyen de gaspiller plein de munitions. Ça a l'air très grand, ça. Très grand et très. It's not for me, man. Faut que je le kick, ce bidon, tu vois. Ah ouais, pas mal. À moi. Faut pas que j'oublie les paniers non plus. Ah, j'ai plus de munitions. Oh putain. Ah, je peux pas me barrer. Du calme, du calme. Oh, le game over fatal. Alors là, on crève vite. Il y avait un début d'idée. En fait, faut bêtement renvoyer dans l'ordre tous les bidons comme il faut. Mais je le ferai une autre fois parce que j'ai assez joué, ça va bien. Prenez soin de vous les viewers, pensez à faire gaffe à Google, et à celle des autres aussi, et si vous êtes vraiment obligé de sortir ou si vous cédez à la tentation, bah, pensez à vous protéger un minimum, c'est la moindre des choses.